Le baccalauréat, l'ultime examen scolaire en France, le premier challenge de notre vie. Une grande partie de notre destin dépendra de la réussite ou de l'échec de ce dernier. Traditionnellement, les banques françaises félicitent les bacheliers et les invitent à ouvrir un compte où les premiers dépôts leur seront offerts. Mais que se passe-t-il pour ceux qui ont besoin d'une seconde chance, les laissés pour compte, les malchanceux dont on ne parle pas, ayant raté quelques réponses? Et si une banque aidait les étudiants à avoir leur bac, plutôt que de récompenser uniquement les meilleurs? Nous, la Banque Populaire, avons choisi de parler à ceux qui ne font pas la fête après les résultats, mais qui ont besoin de travailler pour leur rattrapage une semaine plus tard. Nous avons donc créé l'opération « Ne lâche rien », la première campagne créée par une banque qui offre plus que de l'argent aux étudiants. Nous les avons aidés à surmonter cette épreuve. Nous pensons que, qui que vous soyez, vous avez droit à une seconde chance. Nous avons alors mis en place un partenariat avec Acadomia, le numéro 1 du soutien scolaire. Nous avons offert à chaque élève au rattrapage, qu'il soit notre client ou non, un soutien gratuit et personnalisé. Avec tutoriels, hotline, soutien vidéo et de réels cours et conférences. Car une vraie banque n'est pas uniquement présente dans les bons moments, elle est aussi là dans les plus difficiles. La campagne publicitaire a été diffusée via des supports d'affichage, digitaux, réseaux sociaux et films. Ça, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes au rattrapage du bac. Ne laissez pas tomber maintenant. Banque Populaire vous offre un soutien gratuit avec Acadomia pour vous aider à décrocher votre bac. Et ça, c'est ce que vous ressentez quand vous réussissez votre bac après le rattrapage. Le dispositif a généré 200 000 visites sur le site internet ainsi que plus de 260 000 euros de Earned Media. Mais surtout, avec 87,9%, 2014 détient le record historique du taux de réussite au bac. Peut-être y avons-nous contribué ? Qui peut oublier une banque qui vous a aidé à obtenir votre diplôme ?